Elle est pas belle la vue. Ah, je vais essayer de vous faire une vidéo de 4, 5, 6 traces. Donc en gros, ça devrait durer autour de 10 minutes quand même. Hein. Quand même 10 minutes de vidéo. Donc moi, j'essaierai de chapitrer le truc histoire que tout le monde puisse dire oh, bah, je vais voir la suivante. Et voilà, allez. Parti, par là, par là. Pipi de la peur, c'est fait. Allez. Alors celle-ci. C'est genre ultra flowy, ça, c'est un bonheur. Il y a un peu de bonne pente, bah, rien d'extrême, des petites marches et tout dans du sable profond comme ça. Ça va être compliqué. Réveil matinal. Là, une bonne marche verticale. Je suis arrivé. Prenez les trois premières. Hop. Ah oui, il faut pas oublier de respirer ici. Hein. Alors, on prend la première partie. Et on enchaîne direct sur la deuxième. Ça n'a pas l'air, mais ça bouge de l'énergie. Hein. Les virages, là. Allez. Bon appui. Petit transfert. Et pas. Et on remonte. Avant la partie finale. C'est sympa comme tout. Allez, c'est reparti. La marche. Voilà. Et de une à l'échauffement. Elle est magique. Allez, la suivante. Alors, on va reprendre le même départ que la première. Et on va tout de suite obliquer dans un gros caillou de bien Tecos. Donc en fait, cette piste-là, c'est ma préférée. C'est plus le même sable. Et beaucoup plus rapide. Un peu plus technique. Et pff, un kiff. Elle n'est pas très longue parce qu'elle va plus vite. Mais alors, quel bonheur. Allez, on y va. C'est parti. Et là, on change. Et là, c'est pas la même. Allez. Là, la pente, c'est pas la même chose. Beaucoup plus verticale.
maintenant on va commencer à accélérer. Ouh, ouh, raté la double. Petite liaison. Yes. Alors, là, il y a un gap. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, là, celui-là, c'est plus steak de prendre le virage, mais je vais faire un petit nose turn. Et voilà. Celle qui est la plus classique, elle est côté bleu, ça lui va bien. C'est un bleu un peu foncé, quoi, mais et elle est super sympa. C'est celle que tout le monde prend le plus ici. Elle est assez longue, elle est très joueuse, et donc sympa. Allez, c'est parti. Et on va aller dans le tabasser. Là, le petit saut. Yop là. Les virages ils tuent. Bon allez, on va la faire monter, même si la fin est pas intéressante. Ira. Le saut n'est pas prenable parce qu'il est écroulé. Celui-là, c'est dégueu. Voilà, pour la faire en entier. Et retour à la mer. Avant de changer de versant, ce que j'ai pas envie de faire parce qu'en fait ça oblige à monter là-haut à droite et que c'est un coup de cul, mais d'une raideur. Eh ben on va descendre par là. Déversante, c'est sympa. C'est déversant et pentu, voilà. Mais ça part d'abord par le début qu'on a déjà fait. Allez. Hop là. En plus il est bien ce début.
on change. C'est parti. Et là, ça rigole. Ah, ça va aller moins vite, hein. Ah, ça doit pas se voir la cam. Il y en a qui sont venus rouler quand il pleuvait. Ça c'est bien avec. Voilà, dune par là. Je vais vous emmener à la dune. Allez. C'est par là. Voilà, je crois que c'est ça. Allez, voilà l'une. Ah. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah. C'est quand même ultra classe. L'arbre, on dirait une mangrove là. Il devait être, les racines devaient être couvertes par le sable. Ils sont sortis. Donc celle-là, il faut vraiment protéger le truc. Et pour pas abîmer, on va passer par les extérieurs. Il y en a deux, trois qui partent du sommet. Et tout ce versant là à gauche qui va vers la mer, c'est des enduros de l'espace quoi. On est sur de la pente verticale qui déboîte. Je remercie mon Laurent de m'avoir abandonné depuis 2 mois. Je suis tout seul, donc tout ce qui fait peur, bah j'y vais pas trop. Viva el enduro. Thank you.
Allez, change de style encore. Alors là, maintenant, ça va être plus de la caillasse. Une vraie enduro. Et il a plu un bel orage il y a quelques temps. Donc ça se trouve, c'est raviné. Je l'ai pas prise depuis. C'est parti. Après, on montera tout en haut. Et là, c'est celle-ci. Ouais. Ah bah, c'est bien défoncé, hein. Allez. Bon, ça passe. Verticale. Vite.